Tiens. Moi, ça, ça va te calmer. Écoute, je le sais sérieux. Je veux que tu te reposes. Laisse la douceur faire la pratique demain. Penses-tu que j'ai le temps de me poser? Là, Elmer doit m'attendre avec une brique pinfanale. Faut que je le convainque de ne pas suspendre Lambert. Mais les journaux sont à sa faveur. Elmer, c'est une tête de cochon. Quand il s'agit de drogue, il veut rien savoir. Écoute, Gilles, après la Coupe du Monde, je te rentre à l'hôpital pour une série d'examens. OK? Comment ça, je peux pas aller à l'aéroport? Qu'est-ce que je vais avoir de l'air si je me cache de tout le monde, moi? Gilles veut que tu te reposes pour la game. Ouais? Si je joue? Écoute, Pierre, je sais que c'est plate, mais de toute façon, ça va être réglé avant demain soir. Tout ce que t'as à faire, c'est d'attendre. Pas compliqué, ça. Je vais aller chercher Gilles puis Marie-Lucie à l'aéroport. Salut, Suzy. J'arrive bientôt, je vais aller faire des courses. OK. Irma nous attend à ton bureau. Je te suis. Tu vas l'accompagner, Marie-Lucie. Pierre? Il est avec Suzy à la maison. Les gars dans l'autobus, puis pas de déclaration journaliste. On est tous très contents d'être venus. Les Russes vont voir la différence. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Grâce à moi, vous avez pu empêcher que Boris Vassiliev passe à l'Ouest. Vous avez ma gratitude. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Oui, mais... vous avez parlé des Nations Unies, de New York. Vous avez promis. Moi, j'ai promis, je ne m'en souviens pas. Mais si, vous avez promis. Monsieur Natacha, vous ne semblez pas comprendre. Que vous soyez attaché aux Nations Unies, je n'y vois aucun inconvénient. Mais pensez-vous qu'une femme célibataire puisse être affectée à une ambassade? Il faut que vous preniez un mari, premièrement. Et deuxièmement, il faut que ce mari nous convienne. Mais... alors je suggère que vous restiez près de Sergueï Golikov. C'est une tâche pour laquelle vous semblez bien mieux qualifié. National League's reputation here. There can't be a shadow of a doubt as to Pierre Lambert's innocence. Voyons donc, il est pas coupable, c'est une erreur, ça. What do you have in mind? If Pierre Lambert dealt with cocaine one way or the other, I'm going to make an example of him.
Hey, minute, John. Ça marche pas de même. It works any way I say it does. Everyone knows that the National League is harder than the courts when it comes to drugs. And you're right in saying that everyone's looking at us. But if we're too severe, then we invite the courts to intervene in our affairs. La RCMP a décidé de pas poursuivre. On n'est pas pour être plus catholique que le pape, bon Dieu. I'm meeting with the RCMP this afternoon. Then I want to talk to Pierre Lambert and that girl, Dominique Cartier. Then I'll make my decision. Tabarnouche! Hey! Lulu, je me suis assez ennuyée de toi, tu peux pas savoir comment. Ah, moi aussi. À chaque fois que je voyais Linda, je pensais à toi. J'espère que t'as été fidèle au moins. Ah, j'ai eu des offres de même, mais je te trouve au téléphone avec toi. Ah non, ouais, les Françaises, ils ont déjà vu plus beau que moi, tu sais. Ah, les femmes ont juste à apprendre à te regarder. Tu veux-tu d'autres choses? Non. Gâte-moi pas trop, là. Je suis pas habitué à ça, moi. Faut que je téléphone à la tarte à Drouin, là. Il y a une affaire qui marche pas, là. Lulu, il va falloir que t'acceptes ton sort. Ouais, mais la tarte, elle va... J'espère la tarte. Ouais, la tarte. Ah, pardon. C'est énorme. Je pense que la Ligue a besoin de joueurs comme vous, Pierre. But this drug business, mauvaise image. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Que ferez-vous à ma place? Si je suis trop mou, je discrédite la Ligue. Si je suis trop dur, then I'm a tyrant. Quelle est votre opinion? Soyez juste. Les apparences sont contre vous. Miss Cartier, I'm going to ask you two questions, and you're going to answer either yes or no. Did you ever see Pierre Lambert take cocaine? No. Did you ever take cocaine in front of Pierre Lambert? Yes. Pierre, did you ever take cocaine? No. You think it's okay to watch someone take cocaine? No. He tried to stop me. Do you have anything else to say? Je suis un joueur de hockey. C'est ma vie. Tout ce qui va contre ça, je m'en écarte. Comme je me suis écarté de Dominique. Pour moi, cette histoire finit en bouée, moi, M. Elmer. I repeat, I have never tried cocaine. Good day, Mr. Lambert. Mademoiselle, you'll have my decision tonight. Ça, c'est de ma faute, Pierre. Non. Non, c'est moi. J'aurais dû t'arrêter la première fois que je t'ai vu reprendre. Tout ça, ça serait pas arrivé. Quoi qu'il arrive, ce qui compte, c'est qu'on reste amis. Si jamais t'as besoin de moi, tu vois, il sort toujours le puck par le centre. Ben oui, mais on le sait, ça. Ben oui, mais si on envoie un gars couvrir le gars qui est au centre avant qu'il reçoive le puck, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Défenseur va charloyer. Ben, c'est ça. Qui c'est qui est le plus dangereux? Le gros défenseur qui est en arrière du net ou le petit Larionov qui s'en vient en pleine vitesse? I've met with both Dominique Cartier and Pierre Lambert.
and there is no conclusive evidence that Pierre Lambert ever used drugs. And according to Dominique Cartier, Pierre Lambert never touched cocaine while they were together. In addition, the Soviets and the Canadian authorities have not pressed charges. And the National Hockey League is in accordance with these decisions. Therefore, Pierre Lambert is free to continue playing hockey. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue au Colisée de Québec. Ce soir, grande finale URSS Canada pour l'obtention de la Coupe du Monde. Les gars, c'est la game. On la perd, on est flushé. On la gagne, ils vont se mettre à penser. On a joué sur de grandes patinoires à Moscou, dans le monde, là c'est à notre tour. Je sais qu'un gars fait pas une équipe, mais Lambert est revenu, ça peut pas nuire. L'endgame, il est pas compliqué. Première période, la discipline. Deuxième période, la discipline. Puis troisième période, la discipline. Si vous êtes pour frapper, manquez-les pas. Arrangez-vous qu'ils s'en souviennent. Ils viennent nerveux dans les coins. Ils n'aiment pas ça. Puis on joue pour notre pays, puis ce pays-là s'appelle le Canada. Canada! De l'Union soviétique sont maintenant sur la patinoire. La foule qui salue l'arrivée des joueurs de Team Canada. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a de l'ambiance dans le Colisée de Québec. Nationaux.
remets ça à mon ami Pierre Lambert. C'est bon. Le gars m'a donné ça pour toi. La douce! Ouais, hein? T'es bien, reste qu'on part. Come on, let's go! Je parle rouge. Bleu. Choléra 3. Resserre. Oui, il va continuer à jouer là, même pas sûr, on va finir par les avoir, c'est un coup dingue. Let's go, guys! Come on! Le but de l'Union soviétique, compté par le numéro 19, Sergei Kulikov. Avec l'aide du numéro 16, Vladimir Putin. Kerr, close up de Kilbo. Close up de Kilbo, il se passe quelque chose. Vite, Kilbo. Gilles! Hey, qu'est-ce qui se passe avec Guilbeau? Messieurs, il reste 3 minutes à jouer. On pourrait les reporter au début de la deuxième période. Est-ce que ça irait? OK, Scott. Je vais aller vérifier avec l'équipe russe. Parfait. Parfait. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la confusion la plus totale. Ici, il semble que Gilles Guilbeault ait été terrassé par un malaise, ce qui laisse l'équipe du Canada sans entraîneur. Et on vient tout juste de m'aviser que les 3 dernières minutes de la première période seront jouées en deuxième période. Mais la grande question que l'on se pose ici, c'est qui sera derrière le banc de l'équipe du Canada? Eh, Bob, il faut faire quelque chose. Pas grand-chose à dire là-dedans, Shaw. Non, non, cette fois-là, on va se faire entendre, hein? C'est 2 euros pour les Russes, on n'a plus de coach. Il faut prendre une décision. À qui tu penses? Marc Gagnon. Ah ouais, Bob! Écoute, Mike, on a absolument besoin d'un coach. On va voir Marc Gagnon. OK, je vais les chercher. OK, okay les gars, meeting! Ouais, let's go, come on, move, move! Come on, come on! Votre attention, s'il vous plaît. Gilles Guilbeault vient de subir un malaise. On ne connaît pas encore la gravité de son état. Il a été transporté à l'hôpital pour y recevoir les soins qui s'imposent. Ben, je veux bien, le Mexique va le remplacer, pas la douceur. La douceur n'a jamais coaché de pro de sa vie. Marc. Pierre et les gars, on est tous d'accord. On veut que tu viennes comme coach finir la game. Oui, mais on peut-tu faire ça? Marc. On a besoin de toi. On va la gagner. Oh oui, c'est confirmé, c'est Marc Gagnon qui remplace Guilbeault. Ben, non, j'ai pas le temps, je te dis. Mets quelqu'un sur le Coq Gagnon tout de suite. J'ai pas le temps. Hey, il faut que ça sorte demain, j'ai pas le temps de se poigner le cul. Monsieur Marc Gagnon fait pas partie d'équipe Canada. Écoutez, il s'agit d'un cas exceptionnel ici. Mais demandez donc à M. Kerensky de me montrer le règlement interdisant d'employer Marc Gagnon comme coach. Il nous reste près du banc des joueurs, je retire l'équipe du match.
Vous gagnez 2-0. Vous avez déjà gagné deux matchs. Dites donc à M. Kerensky que s'il veut retirer son équipe, je m'en fous. Je sais qu'on est capable de gagner ce game-là. On va jouer comme si score était 0-0. Je vais faire des changements de ligne rapides. Je veux que tout le monde se vide en 30 secondes. Les gars, Gilles Guilbeault s'est arraché le cœur pour gagner cette série-là. Il mérite qu'on donne tout ce qu'on a. Lambert, tu prends le face-off. OK, Pierre? Je le sais qu'on va gagner. Le pire est passé. S'il n'a pas d'autres complications, durant les prochaines heures. Je veux le voir. Impossible. Pas maintenant. Demain matin, peut-être. Ça a l'air qu'il a fait comme un genre de crise d'angine, mais il va s'en tirer. La seule affaire qui pourrait nous inquiéter à cette heure, c'est perdre la game. Jamais, Igor! Jamais, les gars! Je ne veux pas que les Canadiens gagnent cette partie. Vous allez les provoquer, vous frapper et vous souriez. Ils vont se venger, accepter leur coup sans riposter. S'ils perdent la tête, c'est fini. Hé, hey, les gars! Faut être discipliné. On va se faire accrocher, c'est certain, mais pas de punition, hein? Pas une maudite punition! All right, let's go, come on! Ça pourrait être, je le devais à l'équipe. Bravo, bravo, mon gars. Excuse-moi, bravo. Je sais comment t'as dû m'aider. Bravo. Écoute, j'aurais un service bien important à te demander pour demain soir. Quoi? On va aller à l'hôpital voir Guilbeault, j'entends parler en chemin, OK?
Le docteur dit que ça ne donne absolument rien de rester ici plus longtemps. Puis on va rentrer. Voyons, maman. Maman. Tu te rappelles, nous autres, les Lambert, on est forts. Jules va s'en sortir. Je veux pas le perdre. Non, pas encore. Je suis venu vous chercher. On va rentrer, hein? Non, je veux rester. Je veux rester. J'ai le besoin de repos, c'est tout. On va rentrer à la maison. Bien. Tu fais partie de la famille maintenant? Bob, c'est que t'en penses, hein? J'en pense que c'est possible, mon Mac. Hein? Les gars sont bien, sont heureux. On va peut-être prendre un miracle, mais on va aller chercher les 4 buts, inquiète-toi pas. Tout ce que ça prend, Bob, c'est 4 buts. 4-0, 5-1, 6-2, en sac. 4 buts, Bob. Toi, t'en potes un. Tiens, 2-3 autres. Salut, boss. Plaisir de te voir, ma. Les gars ont joué pour toi, Gilles. On va gagner celui là, je te le garantis. Non, ma. Ils ont joué pour toi. J'ai coaché ma dernière game. Ben voyons donc. Dans 2 mois, tu vas être dans ton bureau. C'est le repêchage, là. T'es plus tough que ça. Pas assez tough à mon goût. C'est bien, un autographe, s'il vous plaît. En troisième période. Troisième. C'est en troisième que ça prend du courage. Bonne chance. On a gagné la dernière game. Ça veut dire qu'on est capable de les battre. Ça veut dire qu'on est capable de gagner à soir. Mais là, on a un petit problème. C'est qu'il faut gagner par 4 buts. Mais les Russes aussi, il y en a un sacrement de problème, les gars. Ils pensent qu'on est fini. On vit ça souvent, prendre 3-0 après 2 périodes, puis gagner la game 4-3. 3 buts, ça se fait en 1 minute. Il en reste 60 à jouer. On va lui faire une petite surprise. N'avait plus un bon angle quand il a décoché son tir. Le jeu est plus...
plus décousu. Il semble bien que les Soviétiques soient en train de reprendre le tempo du match. Semble maintenant possible, le Canada mène 3-0 dans cette partie. C'est compte! Un magnifique but de Makarov, seul devant gardien du Canada. Oh, un but qui fait mal à l'équipe dirigée par Marc Gagnon. Il va maintenant falloir que les Canadiens se relancent à l'attaque et le temps commence à presser. Avec l'aide du numéro 1. Le jeu reprend. Et le but de Makarov a semblé fouetter la peur des Soviétiques. Mais il y a une chose qui me surprend, c'est qu'on n'ait pas protesté davantage du côté du Canada, puisque le filet a été déplacé de ses ancrages quand Makarov a glissé derrière le gardien. Mais le but est bon. Les Soviétiques y attaquent le territoire Canada. La passe, le tir de Koulikov, l'arrêt du gardien du Canada. Un magnifique arrêt. La défense canadienne qui est complètement débordée. Et Robert Martin, appuyé de Morrison, subit les assauts des attaquants soviétiques. Encore une période et nous sommes les champions du monde. Il faut arrêter Lambert. Frappez-le! Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Dans cette belle histoire-là, on est des partners. Puis des partners, ça se lâche pas. Surtout dans le trouble. Partez-les. Puis quand vous aurez le goût de slacker, creusez en dedans. Puis allez chercher un effort. L'effort payant. L'effort des gagnants. Ça, c'est nous autres. Marc, coach comme t'as toujours joué. Avec ça.
Let's go, guys. All the way! Mais Martin contrôle la rondelle. Un autre bel arrêt. Emmène-moi. C'est trop tard. Non. Rappelle-toi, Boris. Vas-y. Il se passe quelque chose au bain des Popov. Voski Koudikov. Ouais. Hé, ouvre-toi, gros. Il se passe quelque chose, là. Regarde, regarde, regarde. Ils m'ont dit que je devrais être là. Regarde, il se passe quelque chose, là. Regarde les Russes. Il se passe rien? Le jeu est totalement arrêté, mesdames et messieurs. Et Claude, on ignore un peu ce qui se passe. Mais il semble bien que les Soviétiques ne veulent pas revenir au jeu. Ok, c'est ce qui se passe. C'est Koudikov qui passe à l'ouest. Sacré, ça va brasser là. Yeah. C'est Koudikov, hein? Il passe à l'ouest, c'est ça? Ah oui, il dit quelque chose? Baptiste! Incroyable, mesdames et messieurs. Les joueurs soviétiques veulent rentrer au vestiaire. Claude, tu comprends quelque chose, toi? Ah, je joue. Être avec toi, c'est ce qui m'est arrivé de plus extraordinaire dans la vie. Si on se mariait. Y'a pas de passe-mêle l'œil. C'est votre faute, tout ça. C'est vous qui avez empoisonné l'atmosphère de l'équipe. Et maintenant, vous allez vous écarter et nous laisser jouer le hockey. Pardon. Thank you.
apprendre dans quelques secondes. Claude, est-ce que c'était une tactique pour déconcentrer l'équipe du Canada? Je ne sais pas si tu as remarqué, Jean, mais Sergueï Kolikov n'est pas revenu au jeu. Il est peut-être blessé. Salut. Bonjour. Je suis Patricia Lamy-Pierre. On va prendre soin de toi. Merci. Je peux voir le match? T'es au Canada et c'est de pas demander permission. Commence donc par te déshabiller. Voici mon Milou! Envoyez bien rentrer dans la bande, le maudit papa! Non! Voici mon Pierre! Envoyez mon Milou! C'est ce but qui pourrait assurer au Canada la conquête de la première Coupe du Monde de l'histoire du hockey. Le Colisée est littéralement en délire. C'est complètement fou dans l'édifice. Il reste moins d'une minute à jouer. Memorial, la Coupe Stanley et maintenant la Coupe du Monde. Pierre Lambert!